Bonjour ou bonsoir les gens, c'est Coro Gorcillon qui vous parle en direct de la 22e partie de mon playthrough de XCOM Enemy Within, non pas Vampire la Mascarade comme j'allais dire. La 22e partie, je crois que je l'ai dit ça par contre. Comme dans l'épisode précédent, on avait fait une mission d'Exalt, on avait été rechercher des soldats supplémentaires qui visiblement ont des pouvoirs psioniques dans un vaisseau en France. Et on s'était arrêté là, on avait les tests psioniques qui étaient presque terminés, j'espérais les avoir dans cet épisode. Donc j'espère que vous allez bien, que ce playthrough vous plaît toujours. Excavation terme, je crois que nous tenons le bon bout, commandant. Alors, qui va en sortir? Si c'est le sniper, ça devient pété. Ah non, c'est Amanda, forcément. Puisque commandant, on savait qu'elle était psionique. Depuis que l'homme s'est tourné vers les étoiles, il a cherché à savoir ce qu'il y avait au-delà. Mais il ne se comprend pas lui-même. L'esprit humain recèle bien plus de secrets que nous ne pouvons l'imaginer. Le noir, c'était qui? Quelle ironie! C'était pas le sapeur, ça? La victoire, ouais, c'est le sapeur, ça. Ne soit pas nos machines de guerre, mais nous-mêmes. Et si nous tenons cette clé, elle nous ouvrira les portes de l'avenir. Nous aurons créé quelque chose extraordinaire. Ok. Ah bah, on a Annette effectivement et on a le sapeur. Par contre, pas le sniper. Alors, on va continuer. Bah justement. Tutu, où est-ce que t'es? Attends. Qu'est-ce qui est passé? Je peux pas faire des recherches sur les nouveaux. Ah si, il est là. L'autre sniper qui normalement lui doit l'être. Et les deux dont j'ai pas changé le nom. Il y a ça, il me semble. Je sais plus. Ça serait elle, la troisième. Bon, on va toujours faire ces trois là. Alors donc, on a donc un sapeur et un commando en psy. Sauf qu'elle est les sergents en commando. Ok, j'ai récupéré mon sniper. Par contre, j'ai envoyé l'autre en truc. Mais c'est pas grave parce que j'en ai encore un autre après. Donc du coup, ce qu'on va faire. Ah oui, mais si l'autre devient psionique, ah bordel. Bon, on va attendre ses résultats. Ouais, c'est bien. Ah, ils attaquent l'île. Non, mais faut pas se gêner surtout. Alors, du coup, toi, tu sors du groupe. On récupère le sniper. Alors, petite psionique, psychose. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'on n'a jamais vu sa tête à lui. Maintenant, on comprend mieux. Annette. Ah, j'ai oublié de libérer l'équipe. Toi, tu devrais prendre autre chose qu'une grenade.
Bon, on fera ça après. Ce deux types de grenades, ça sert à rien. Strike One, paré pour atterrir. La France nous a envoyé une requête urgente. Plusieurs sources nous signalent que des extraterrestres ont été repérés dans une grande ville. S'ils s'en prennent aux civils, ça va être la panique. Ouah ! On se croirait un 1er janvier, dis donc. Centrale, ici Rapace, en approche du site d'attaque. Strike One est prêt à partir. On attend votre signal. Affirmatif, Rapace. Permission d'attaquer les cibles hostiles. Mais attention, vous tirez, il y a des civils. Je répète, il y a des civils dans la zone d'opération. On s'en fout des civils. C'est pour ça qu'il va nous arrêter. Et boum. Alors, voilà qui est réglé. Je confirme la position. On the move. Oui, commandant. Quitte à te faire avancer, toi. C'est bon, vous pouvez y aller. Elle est marrante, ça, ouais. On my way. Bon, déjà, j'entends pas de chrysalis. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça marche. Sauvez-vous. Comment le civil fait pour savoir qu'il y a quelqu'un pour l'évacuer? J'espère que vous avez un plan. Tout va bien, filez! Tout de suite. Faut pas rester là. Ok, on a déjà sauvé 5. On a pas encore un dans le coin, non? Lui, il reste là, lui, d'accord. Il est sauvé, mais il reste au milieu du jeu de qui? Ouah, comme son armure est lui. Silence. Il y a quelque chose là-bas. Ils ont réussi à sauver les deux en même temps. J'ai compris. Wouah ! D'accord ! En fait, ils sont en train de faire la fête, là. Arme au poing ! Ils étaient tous bien groupés, là. Bon, en essayant de passer sur le civil au passage. Oh, tu l'as raté. Damn it. Je suis déçu. I'm on the move. Pas besoin de demander deux fois.
Allez-y, foncez jusqu'à l'hélico. Ah, ça a raté. Ok. Ouf, c'est encore plus mauvais. Bon, arrêtez de déconner. On l'a pas eu. Et les aliens font n'importe quoi. Ah, il va tuer le civil, lui. Ok. Ah non. Ah bah Annette, elle va déjà être morte. On va en être débarrassé. Il fait quoi? Il se pose sur la tête du civil ou quoi? Hein? Ça y est, tu t'es enfin décidé à le tuer. Alors, maintenant que le civil est mort, ah, c'est le plus loin que je peux le mettre. Bon, ben... Going hot. Pion. Boom. J'espère que vous avez un plan. Allez-y, vous êtes sauvés. Allez. L'autre s'en fout. Et 18, d'accord. Avec ton pistolet. 20 et 30. Ah, oh, et merde. Got it covered. Affirmatif. Cible neutralisée. Et boum. Une autre opération réussie avec brio. Tranquille. Bon, Annette est blessée, mais on s'en fout d'Annette. Parce qu'on se lève tous pour Danette. Non. L'enthousiasme de nos soldats fait plaisir à voir. Ils ont une bonne raison d'exterminer ces extraterrestres, après tout. D'accord. Tout va bien. Oh, 15 de mêlée, quand même. Indice de panique en plus. Nous vous recontacterons, commandant. Bah, ouais, y a des indices de panique quelque part. C'est ultra tranquille. À croire qu'il n'y a jamais eu d'extraterrestres. Alors, tu veux 8 cadavres de sectoïdes? J'en ai 7, c'est con. Medikit amélioré, c'est très bien. Contact détecté. Ah. Alors, capture de spécimens. Éthéré, Goliath Tracker, Sectoïde Alpha. C'est un grand éclaireur. Ah, il est posé en plus. Oh, bah c'est bien ça. Annette est déjà là, c'est bien. Ah oui, attends. J'avais dit que je chercherais après un truc à donner. N'avons-nous pas une obligation éthique de préparer ces soldats au changement, parfois permanent, auquel ils s'exposent ? Une ère touche à sa fin pour la Terre. Même si nous vainquons les extraterrestres, qu'est-ce qui nous attend ? Avons-nous sacrifié notre humanité pour goûter à leur technologie ? Et si nous parvenons à exploiter ce pouvoir davantage, ne risque-t-il pas de nous pervertir, comme ce qui leur est apparemment arrivé ? Je sais pas quoi, le bouclier psychique, mais j'ai pas encore déterré. Mais je vais en avoir hein, maintenant. Ah ben voilà, c'est ça qu'on va lui équiper. Ok, allez c'est parti. Contact détecté. Donc vous avez bien tout ce qu'il faut. Apparemment, c'est parti.
vaisseau est arrivé. Votre prochaine opération va vous conduire en Chine. Encore ? C'est tout le temps en Chine. Le vaisseau extraterrestre s'est posé dans une zone isolée, ce qui devrait réduire les risques vis-à-vis des civils. On s'en fout. QG, ici Rapace. On est en position. On n'attend plus que vos ordres. Bien reçu, Rapace. Strike One, vous pouvez vous déployer. Approchez prudemment. On ne connaît pas la situation de l'ennemi sur le site. La situation, ça va être très vite mal barré. Attends, le vaisseau, il est par où, déjà? Bon, le vaisseau, il est de droit devant, apparemment. Là-bas, je peux pas aller. Par là, je peux pas aller. Il faut aller tout droit. Tu sais pas y aller. On y va. D'accord. Stepping off. J'y cours. Orders confirmed. On the move. Ok, il y a du méca dans l'histoire. J'y serai bientôt. D'accord. Tout le monde en même temps. Ennemi repéré. Déjà, vous dégagez de mon espace vital. Wouah ! 9 maintenant avec la recherche sur les lyrium dans le lance-flamme. C'est pété. Quoi, tu vois personne, toi ? C'est une blague. Heading to that location. Ah, c'est juste trop court. Dead and gone. Depuis le temps que j'attendais ça. Pas facile avec tout ce barda. Oh, elle m'énerve, elle, déjà. Elle va crever, mais à une vitesse VV prime, et ça va être bon débarras parce qu'elle m'énerve. D'accord, en plus elle rate sa cible. C'est pas vrai. Malheureusement, si. Heading out. Allez, fais le psychoté. Ah, ça y est, tu as une cible. Ok. Bah, tu vas l'achever avec l'autre tir. J'ai dit, tu vas l'achever avec l'autre tir. Boom. Et 97. Est-ce qu'on prend le risque de faire un critique sur l'autre? On prend le risque. Et ça paye pas. Lui il panique. Lui aussi. Où est-ce qu'il croit aller? They're shifting their attack. There's heavy fire in the zone. Il s'est pas visé. L'autre il se casse. Très bien. Ah.
Alors, il y en a un qui reste 5 points de vie, bah il y a que sur lui qui peut tirer de toute façon. Ils ont pas choisi la bonne planète. Comme il se la pète. Rolling out. J'avance. On the move. Bien sûr. Ah, tu vois notre autre ami, c'est ça? Voilà, c'est ça que je voulais. Tu as fait une grosse erreur en venant ici. I'm on it, Commander. Ça sent le sectopode, ça va. Alors, où est la mêlée? La mêlée est là. Position confirmée. Je recharge. Running. Je me manie. Moving out. On part à l'assaut du vaisseau. Je suis déjà parti. Dommage que tu sois revenu. Location confirmed. J'ai entendu du bruit. C'était juste un oiseau. Oiseau qui passe à ce moment-là, qui a absolument rien à foutre là. Je bouge. Entendu. Moving to designated coordinates. Là. Bon, je vous fais confiance. Chut. Vous avez ennemi entendu. En vue. Oh non, pas cela. Ils sont chiants. Heading there now. Toujours avec un alpha. Bien reçu, commandant. Got it. Moving.
C'est court. On fait tout péter. J'espère que tu souffres. La salique. L'autre, il s'est cagué, lui, il est parti. Il a fait je reste pas avec des filles. Le mec il s'est dit putain il attaque au lanceur nucléaire quoi. N'importe quoi. J'avance. Heading to that location. Okay. Très bien, j'y vais. Il a pas envie de se montrer. They're trying to pull back. Je vais aller voir. Bon, à mon avis, il est terrible, il est là-dedans. Il se planque quelque part par là. On my way. Ah bah d'accord. Est-ce que je peux le faire psychoter? Non, je peux pas. Ils sont un peu résistants à ça. Hostiles pacified. J'y serai bientôt. La sniper ça donne pas grand chose dans ces missions là. Bien sûr. Let's do this. Bon. Rends-toi les terrains et tu les encercles. Bien reçu. Barbecue. Oh, il panique. Batter up.
Y a des aliens à massacrer là-bas? Si ça foire, je reprends mon arme. Yes, j'ai réussi à capturer un éthéré. Celui-là est sonné. Yes. C'est super dur à faire. Heading to that location. Rends-toi. Apparemment, il a pas envie de se rendre. Oh, on a perdu Annette. C'est con. Qu'est-ce que j'en avais rien à foutre. Elle a vu si elle méritait celle-là. Alors, il y en a un qui se bat derrière nous maintenant. Très bien. Ah oui, c'est celui-là, on l'a toujours pas tué lui, c'est juste. C'est vrai que je l'avais complètement oublié lui dans l'histoire. Ils veulent nous prendre de flanc. C'est lui qui va manger du flanc. Adieu. Objectif de mission accompli. Voilà, et on est débarrassé d'Annette. Mon débarras. Double coup. Beau travail, commandant. Et on peut interroger les terrés. Les expériences que nous pouvons faire sur un sujet vivant nous en apprendrons beaucoup plus que de simples autopsies. Eh ben voyons ce que l'éthéré a à nous dire. De quoi s'agit-il? D'accord. Crédit de recherche obtenu, toutes les technologies. Waouh. L'interrogatoire de cette créature, vraisemblablement membre des instances dirigeantes de cette invasion, n'aura pas été sans risque et sans difficulté. Oh, ça aurait été. Même avec notre expérience en termes de protection du QG, des capacités des extraterrestres psioniques, le pouvoir du prisonnier dépassait de loin ce que nos tests avaient prévu. Les informations récupérées étaient au mieux cryptiques. La créature résistant autant qu'elle le pouvait à nos méthodes d'interrogation. Mais notre équipement d'imagerie expérimentale a quand même pu capturer des images du rythme cérébral de l'extraterrestre, révélant une activité neurale singulière que nous supposons étroitement liée au pouvoir de la créature. Ces données pourront nous servir pour réduire le temps nécessaire à nos recherches dans différents domaines. D'accord. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? J'ai même pas envie de faire les recherches de ces trucs-là, quoi. Donc, Annette est morte, mon dieu, comme c'est triste. J'ai pas des médailles à donner, non. Et en fait, toute la base s'en fout d'Annette, puisque elle est morte et personne ne m'en fait l'arme. Hein. Alors. Ah, j'ai toujours pas recherché des grenades extraterrestres. D'accord. La fonderie est prête à se mettre au travail. Je vous préviendrai dès que la production sera terminée. Ça, on aura tout creusé. Construire, améliorer un CEM, il est à fond. Ah oui, j'ai... Ah ben non, du coup, j'ai pas de cadavre déterré ici. Ah si, il considère que j'ai un cadavre déterré. Donc, comme quoi, on a vraiment de drôles de façons d'interroger les prisonniers. Hein. Voilà, on sauvegarde.
Et on est prêt pour la prochaine fois. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire et un pouce bleu. Ça aide et ça fait plaisir. C'était Gorgorcion en direct d'Onklifroute XCOM Enemy Within. A bientôt pour la suite.